bienvenue sur Chefouiné TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thermomètre professionnel de cuisine. Donc ce thermomètre est un thermomètre à sonde pour le four, mais également avec une sonde spéciale pour la cuisson sous vide. Ce thermomètre donc nous vient d'Angleterre. La marque est Electronic Temperature Instrument. Et apparemment, c'est fabriqué en Angleterre. Alors ça, je ne vous le certifie pas à 100%. On va le déballer. Donc, il arrive dans une belle boîte. Alors, il y a donc un étui pour de protection. Il y a un petit manuel en plusieurs langues. Anglais, français, italien, je pense, et espagnol. Ensuite, vous avez donc le thermomètre par lui-même. Et à l'intérieur de l'étui, vous avez donc une sonde, une première sonde. On va essayer de la sortir. Donc c'est une sonde blindée avec un petit jack qui se branche sur le côté du thermomètre et qui, c'est une sonde à piquer, donc c'est une sonde à piquer classique que vous pouvez utiliser dans un four également, avec, il y a un petit support de sonde ici et il y a aussi une petite protection pour pas abîmer la pointe de la sonde. Donc l'étui est assez sympathique. Bon, c'est une coque en plastique habillée d'un petit vinyle. Donc ce qui est intéressant avec ce thermomètre, c'est qu'il a de nombreuses fonctions. Donc on va déjà essayer de le découvrir. Donc il a donc la possibilité de faire des mesures de température sous vide. Donc avec une sonde spéciale que l'on va découvrir ici aussi. Donc c'est une sonde qui est donc conçue pour aller dans un liquide. Cette sonde va de moins 50 degrés jusqu'à 300 degrés. Donc la particularité de cette sonde, c'est qu'elle est très fine, elle fait 1,6 mm. Donc déjà on peut remarquer qu'il y a une belle coque qui protège l'électronique. Ici au dos, donc vous avez le compartiment où il y a des petites piles, donc ce sont des petites piles standards en bâton. Ensuite, vous avez en haut trois interrupteurs, marche arrêt, la sélection en degrés centigrades ou en degrés Fahrenheit et une fonction supplémentaire pour calibrer le thermomètre. Normalement, le thermomètre est calibré en usine, mais on peut ajuster cette calibration. Vous avez donc un écran qui est éteint pour l'instant. Ensuite, vous avez la partie supérieure qui se recouvre et les touches ici pour programmer les différentes fonctions du thermomètre. Donc, on va tout simplement brancher la sonde et on va l'allumer. L'allumer, c'est derrière. Voilà, donc sur l'écran, vous avez plusieurs zones. Ce que l'on voit en plus gros ici, c'est la température actuelle de la sonde, donc qui est ici. Donc si on voit qu'elle est réactive assez rapidement. Ensuite, ici, vous avez deux petites température minimum maximum. À chaque session, donc à chaque fois que vous allumez et éteignez votre thermomètre, ces deux mesures se remettent à zéro. C'est-à-dire que ici, tout à l'heure, quand j'ai allumé mon thermomètre, il était à 22 degrés. Quand j'ai pincé la sonde, c'est les prises de température minimum et maximum pendant la session pendant la session à laquelle vous utilisez le thermomètre. Ensuite, vous avez en dessous deux cadrans. Donc, il y a marqué là-haut alarme, high alarme.
Donc, c'est une fonction qui est assez intéressante. C'est la fonction, si vous voulez, alarme des températures. Mais elle se décompose en deux sections. Il y a la section basse et la section haute température. Ce qui vous permet, par exemple, quand vous refroidissez un aliment, vous devez le refroidir en moins de 2 heures entre 63 degrés et 5 degrés. Donc, ce thermomètre va vous permettre de déterminer en moins de 2 heures, de mesurer le temps que votre aliment va refroidir et donc s'il est dans la norme ou pas dans la norme. Il faut savoir que si votre aliment se refroidit plus longtemps que 2 heures, vous ne pourrez le conserver que 24 heures. Si il se refroidit plus rapidement, vous pouvez le conserver 72 heures. Ce sont les règles HACCP que l'on utilise en cuisine professionnelle. Donc, pour régler ces températures, c'est pas compliqué, c'est tout simplement avec la touche Set Température. Donc, on va régler la température minimum sur 5. Donc, vous appuyez une première fois sur 7. Vous marquez avec des petites flèches qui sont ici 5 degrés. Ensuite, vous appuyez sur 7. Là, vous mettez 65. Vous voulez baisser parce que vous avez autre chose, une autre température. Hein. Donc, vous pouvez laisser également votre doigt appuyé. À ce moment-là, le compteur défile beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc, ici, vous avez au milieu alarme home ou off. C'est ici que ça se règle sur cette touche. Donc, si vous appuyez sur off, j'ai oublié de valider la deuxième. Donc, si vous appuyez sur on ou off, ça met en route l'alarme ou ça la désactive. Donc, là, par exemple, je l'ai désactivée. Vous voyez, elle ne sonne pas. Si maintenant je vais attendre qu'elle redescende un petit peu, voilà, comme ceci, je vais l'activer, comme ceci. Donc là, ça va être la température haute. Donc vous voyez, le thermomètre se met en alarme. Donc l'alarme sonore, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas obligé de rester le nez sur votre thermomètre. Vous pouvez travailler à côté, faire autre chose. Le thermomètre, quand il arrivera à sa température que vous avez choisie, il se mettra à sonner. Donc, troisième cas de figure, si vous voulez uniquement avoir la température, si vous voulez mesurer une température d'un rôti et que c'est 60 degrés, par exemple, là, vous n'avez pas besoin de la haute température, donc vous pouvez la régler sur 0 et vous ne vous servez que de la température haute, là, et vous la marquez, par exemple, pour un rôti de bœuf saignant, on va marquer 55 degrés. Voilà, et vous n'oubliez pas, comme moi, tout à l'heure, j'ai oublié de rappuyer sur 7. Voilà, là, maintenant, c'est programmé. Donc là, votre thermomètre ne sonnera que quand ça sera arrivé à 55 degrés. Ensuite, la fonction chronomètre. Donc ça, c'est la plus simple. Il suffit tout simplement d'appuyer sur le timer Start and Stop. Vous appuyez automatiquement, les secondes se décomptent. Donc une chose importante, j'ai oublié de vous dire, il faut vérifier que le compteur est bien à 0. Donc, vous l'avez là. Pour l'arrêter, vous appuyez de nouveau sur la même touche. Et pour remettre à 0, vous appuyez sur Clear. Donc, Clear, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Vous voulez le remettre en marche, vous appuyez et ça clignote et ça se décompte. Vous voulez l'arrêter, voilà. Ensuite, la fonction minuteur. Donc, minuteur, c'est se règle ici, avec la touche heure, minute et clear. Donc, heure,
ça met directement les heures. Donc là, j'ai mis 5 heures. Les minutes, c'est pareil, vous pouvez laisser le doigt appuyé dessus. Voilà, 5 heures, on va mettre 5h30. Voilà, et c'est parti. Et donc là, dès que vous allez appuyer sur Start and Stop, le décompte va se lancer. Là, ça ne clignote plus. Ça, tout simplement, ça fait défiler les secondes, etc., etc. Ensuite, vous avez le volume de l'alarme qui se règle ici. Donc, tout simplement, l'alarme faible, très forte, et vous coupez le son. Vous avez le rétroéclairage. Si la pièce est un peu sombre, donc vous appuyez ici sur la petite ampoule et vous avez l'écran qui se rétroéclaire. Vous voulez arrêter le décompte, vous appuyez tout simplement là. Donc je ne vous ai pas parlé des sondes, je vais vous parler des sons. Donc ici vous avez la sonde pour la cuisson sous vide. Donc c'est une sonde qui est donc faite pour aller dans les liquides, donc qui est complètement étanche. Vous avez donc le câblage qui est protégé certainement par de la silicone. Je n'ai pas trouvé dans la documentation, mais je suppose que c'est de la silicone. Et à l'intérieur, vous avez un câble électrique qui est donné pour résister jusqu'à 250 degrés. Je crois que c'est 260, mais bon. Donc alors attention, cette sonde quand même n'est pas faite pour aller sur les braises, n'est pas faite pour aller sur un barbecue. C'est uniquement une sonde conçue pour la cuisson sous vide. Donc elle a une aiguille de 100 mm. Une pointe très pointue pour pouvoir piquer le produit et le câble qui relie le thermomètre à la sonde fait 1,20 m. Vous avez donc la deuxième sonde qui, elle, est fournie avec le thermomètre. Donc cette deuxième sonde a un câble blindé, également de 1,20 m. Une sonde qui est beaucoup plus grosse avec une pointe un peu plus fine, qui elle est une sonde à piquer pour un four, pour mesurer la cuisson d'une côte de bœuf sur la plancha. Donc là, c'est plutôt pour une enceinte chaude, mais non humide. C'est-à-dire que le câblage n'est pas conçu pour être plongé dans un liquide, alors que celui-là l'est. Voilà, donc c'est un thermomètre, je pense, qui est très complet, qui, par rapport à ses concurrents, en plus, a une alarme sonore. Donc ça, c'est franchement, c'est un petit plus. Donc on va voir dans un cas concret après l'utilisation. Donc nous allons faire le test avec l'eau glacée. Donc la glace fondante, c'est généralement 1 degré ou 0,5. Donc là, on voit 0,3. Donc c'est tout à fait correct comme prise de température. On va essayer avec l'eau de sonde. On va mettre l'eau de sonde. Voilà. Donc là, bien sûr, on ne la plonge pas entièrement dans l'eau. Donc on était à 0,3 tout à l'heure. Là, on est à 0,3 également. Donc vous voyez, c'est quand même stable. 0,2 même. Nous allons donc vérifier maintenant la température avec, comment dirais-je, de l'eau bouillante. Donc là, j'avais mis l'alarme, ça sonne. Donc là, vous voyez, 100 degrés. Bon, ça redescend un petit peu après. C'est, voilà, ça, en fonction des turbulences de l'eau, ça oscille entre 99,5 et 100,2, ce qui est très correct. On va donc essayer maintenant avec la sonde sous vide. Ça
101 degrés, 100,1. Donc là, elle touche le fond de la casserole, c'est normal, c'est pour ça qu'elle monte à plus de 100 degrés. Nous allons donc mettre en place la sonde pour la cuisson de notre échine de porc. Donc là, je sèche bien le dessus de la poche. Donc la sonde, je vais la mettre comme ça en biais pour pouvoir essayer de la positionner au centre de la partie la plus épaisse. Donc, je pense qu'on va partir comme ceci pour l'avoir légèrement incliné comme cela. Donc, il y a plusieurs précautions à prendre. Déjà, désinfecter comme il faut la poche. Voilà, avec une lingette spéciale, hein. Donc c'est une lingette sans besoin de rincer, avec un produit antiseptique. On va désinfecter une première fois la sonde. Alors pourquoi on prend des précautions? Le fait de piquer la viande avec la sonde va apporter des bactéries. Donc ce qu'on essaye de se protéger, comme ça va risque de cuire quand même pas mal de temps, avec des températures qui sont sensibles aux bactéries, donc il faut absolument bien protéger voilà, je vais prendre une lingette propre, voilà, toute petite lingette, hein. J'ai une boîte de 100 lingettes, donc là je vais mettre une petite mousse qui va faire en fait le joint d'étanchéité entre l'extérieur et le trou, bien sûr, donc là il y a l'adhésif, je retire, alors c'est un adhésif qui est très fort, donc cette mousse elle est étudiée spécialement pour ça, donc je vais prendre un petit chiffon sec propre bien sûr puisque j'ai désinfecté, voilà. Et donc je vais coller ici, je pense que c'est stratégiquement, donc on va appuyer fort pendant une petite minute, le temps que l'adhésion se fasse. Comme ceci. Donc là maintenant je vais redésinfecter ma pointe. Voilà. Et donc, si je ne me suis pas trompé, ça ne doit plus bouger. Donc là, c'est à peu près au centre. Bon, j'aurais peut-être pu l'avancer un tout petit peu, mais bon. Voilà, donc nous allons pouvoir lancer la cuisson. Donc, comme c'est une cuisson longue, je vais mettre tout de suite la viande. Ça n'a pas trop d'importance. Donc, je vais voir s'il y a assez d'eau. Voilà, donc pour l'instant, le cœur de l'échine est à 4,3 degrés. Donc là, je vais régler la température haute. Et on va la mettre donc sur la même température, c'est-à-dire 65 degrés. Comme ça, je vais savoir combien de temps il va monter en température. Donc je vais baisser la température sur 65 degrés. Voilà, comme ceci. Je vais mettre même 64, un degré en dessous. Donc là, je vais valider 64. Je vais mettre le chronomètre à zéro. Et là, je vais laisser donc voir en combien de temps il va mettre pour monter jusqu'à 64 degrés. Alors, 3 heures,
3h13 se sont écoulées. Donc nous ne sommes pas encore arrivés aux 65 degrés. Donc pour que ça aille un tout petit peu plus vite, j'ai augmenté le thermoplongeur d'un degré. Alors, j'aurais pu augmenter peut-être de 4 ou 5 degrés. Ça aurait permis d'arriver à la température cible qui était de, je vous le rappelle, 65 degrés. Donc là, il nous reste encore environ une heure de cuisson. Donc je verrai s'il faut prolonger à peu près une heure de plus. Donc ce qu'il y a de bien avec un thermomètre sonde comme celui-là, c'est que vous adaptez, en fonction si vous piquez bien le morceau de viande, vous adaptez la cuisson et vous faites une cuisson au plus juste. Hein. Donc ici, on voit bien que là, pour l'instant, au bout de 3h15, nous sommes qu'à 62 degrés. Donc plus on se rapproche de la température du thermoplongeur, plus ça va être long. C'est-à-dire que pour monter d'un degré, il va peut-être falloir, là, maintenant, presque une demi-heure, voire trois quarts d'heure. Donc, on va continuer la cuisson. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est 4 heures au départ. Je crois qu'on va prolonger donc d'une heure et on va faire 5 heures de cuisson. Voilà, nous sommes arrivés à presque 5 heures de cuisson. Donc, j'ai arrêté le thermoplongeur. On va pouvoir retirer la sonde. Donc la petite mousse, normalement, doit permettre de faire l'étanchéité. Vous voyez, ça s'est refermé. Et on va maintenant refroidir notre rôti